Allez, wow. Michou! Allez, 13! Allez, Michou! 14! Dès la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un invité exceptionnel. Je vous demande un tonnerre de pouces bleus pour Michou! Yo les refs! Ça va ou quoi, mec? Ça va, la forme ou quoi? Tranquille! Dame Michou! Dame Thibaut! La forme? Ah merde! Ah, merde. Ah ouais, merde! Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi de m'avoir invité. Hein. Avec plaisir! C'est un plaisir d'être là. Est-ce que tu penses que tu vas en chier pendant cette séance de sport? Honnêtement, ouais, je te connais, c'est chaud, tu vois. Moi, je vais être gentil avec toi. Ah ouais, je sais que tu vas être tolérant, mais quand même. Un petit peu. Ouais. Vous découvrirez ça, les gens, dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Michou, est-ce que t'es à l'aise un petit peu dans cette salle de muscu? Pas trop. Alors, j'ai fait un petit peu de muscu. J'ai fait 3 petits mois, tu vois. Et c'est bien déjà. Mais je t'avoue que je connais pas plus que ça. Hein. T'inquiète pas. Je vais te faire découvrir. À la fin de la journée, tu vas vouloir t'inscrire direct. Vas-y, ok. Michou, est-ce que tu peux te présenter rapidement alors? Je m'appelle Miguel. J'ai 18 ans. Ouais. Je suis originaire de Albert. C'est un petit village dans la campagne, dans le nord de la France. J'ai déménagé tout récemment. À Paris, du coup, je suis youtubeur, j'ai 3 millions d'abonnés sur YouTube. C'est cool, c'est incroyable, c'est pas mal. C'est pas top, tu vois, mais c'est bien. Mais... je rigole, je le taquine parce qu'il va finir par me dépasser et j'aurai l'air d'un con. Donc, Michou, je t'ai écrit sur Twitter et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de te faire souffrir un petit peu, de te faire découvrir l'univers un peu de la muscu, du cardio, du fitness. Et je pense que ça peut te plaire. Sur le moment, je te cache pas que tu vas un peu me détester. Ouais, je pense. Mais ce soir, en allant te coucher, tu vas te sentir bien. Ok, trop bien. Est-ce que tu fais un petit peu de sport déjà? Occasionnellement, tu vois, je fais du sport quand je fais des foot avec des potes, des trucs comme ça, tu vois. Okay. Mais je suis pas inscrit. Niveau alimentation, tu manges bien, tu manges plutôt pas trop bien, dis-moi un petit peu. C'est McDo quasiment tous les jours chez moi. Aïe. Avant, moi j'avais pas accès à Uber Eats. Là, depuis que je suis à Paris, il y a Uber Eats, c'est catastrophique. Hein. Oh là 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 là. Bon, je rappelle, la vidéo est pas sponsor par Uber Eats. Michou, aujourd'hui tu vas transpirer tes McDo. Tu vas rentrer à la maison, tu voudras plus en manger. Bah, trop bien, parce que c'est ce qu'il faut. C'est vrai? Ah ouais, faut prendre des résolutions là pour 2020, nouvelle année. Michou, à la fin de l'année, solide, machine de guerre. Voilà, exactement. Et du coup, tu fais des vidéos de quoi, toi? Alors, principalement jeux vidéo. En ce moment, j'essaye de me diriger vers l'IRL, de diversifier un peu ma chaîne. En mode des vlogs et tout, hein? Ouais, carrément. J'ai été connu grâce aux jeux vidéo, Fortnite particulièrement. Okay. Ouais. Mais je suis premier exercice, je te présente le rameur. Enchanté, rameur. Le but du rameur, c'est, on va dire, faire monter un petit peu le cœur. C'est conseillé d'attaquer un entraînement en étant un petit peu échauffé. Tu vas prendre le rameur comme ça, tu vas tirer tout simplement, puis relâcher. Tu tires et tu relâches. On va faire 10 calories, tu vois. Ça va travailler tes jambes, tes épaules et le dos. C'est l'échauffement, ça? Oui. C'est que l'échauffement pour l'instant. En place, à toi de jouer. T'as des grands pieds, c'est vrai. Oh, merde. Grand pied, grande... grande. On dira pas la suite. Ouais. Voilà. Génial. Donc tu penses à bien respirer. Essaye de coordonner, voilà, les fesses et les épaules qui tirent en même temps. Okay. C'est très bien. Allez, continue encore un petit peu. Concentré. T'es concentré, souffle bien, respire bien. Ça va pour l'instant? Ça va. Mais très bien. Vous allez voir, les gens, Michou, c'est un grand sportif au fond de lui. Tu peux mettre plus fort, gros. Un peu plus fort? Je rigolais. Allez. Allez, vas-y. On a augmenté la puissance un peu. Voilà. Super, on est bon. Comment tu te sens pour l'instant? Ça va, mais je suis déjà un peu essoufflé là. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est le début, ça tombe bien. Et on va passer à la suite. Ok, let's go. T'as commencé YouTube à quel âge? 12 ans, 13 ans. 12 ans? Comme ça. Ouais, j'ai commencé tôt. Hein. Il y a des vidéos de toi à 12 ans sur YouTube? Il y a des vidéos de moi à 12 ans. Ah ouais. Prochain exercice, l'assaut bike. Je connaissais pas du tout. En fait, c'est comme un vélo classique, sauf que c'est pas un vélo classique. C'est ça qui me fait peur justement. Voilà. T'as aussi le haut du corps qui va travailler. Je vais te montrer un petit peu, donc tu fais comme ça. Donc tu vas voir, ça fait le taquet devant. Ça fait la clim. L'été c'est bien, mais l'hiver il fait un peu plus froid. 4 calories, 5. Ils bombardent. Wow. 10 calories. Déjà là? Vas-y, ils sont. Allez, je t'en prie, prends place. En plus, ça va, moi j'aime bien le vélo. Ah bah génial. Et bah tu vas l'aimer celui-là aussi alors. T'as le haut du corps et les jambes qui travaillent. Faut vraiment que je tire avec les bras, genre. Ouais, plus tu vas tirer, plus ça va aller vite. Tu vas arriver jusqu'à 22 calories. T'es à 13 là. Allez, super. Allez, Michou. Allez. C'est bien. Bien, continue, c'est très bien là, c'est très bien. Waouh, ça défonce. Allez, encore, jusqu'à 22. Vite. Accélère, allez, super. Allez, on voit. T'arrives bientôt au bout, allez. Yeah. Merci à tous. Comment pensaient les poumons? KO. Il est rude. Ah ouais, c'est incroyable, ça épuise, mais d'une puissance. C'est pour moi un des pires exos de cardio qui existe. Ah ouais? Grâce à cet exercice, tu progresses très vite en cardio, mais sur le coup, t'en chies pas mal quand même. Ouais, je suis vraiment mort là. Mais tu sais que là, dans ma tête, gros, j'imaginais vraiment un Tour de France avec plein de gens à côté qui m'encouragent. Ouais. Et le 22 calories, c'est la ligne d'arrivée en mode. C'est bien, dans la vie, il faut se fixer des objectifs, tu vois. Alors, on passe à la suite. Du coup, Michou, alors, c'est quoi tes projets pour
pour ta chaîne YouTube un petit peu dans les mois qui arrivent? Bah en fait, continuer sur la route que je suis en train de prendre en ce moment. Genre, je suis assez content. Je sais pas, j'ai envie de trouver un truc qui innove, qui sort du lot, ouais. Et c'est tout cassé, tu vois. Faire péter les 10 millions d'abonnés. C'est ça, c'est ça. Il suffit de trouver un bon format et après tu peux vite grimper. Hein. Et on l'a vu avec Fortnite, ça peut te faire exploser ouais, une ouais, chaîne. Hein. Bah moi, Fortnite, j'ai commencé, j'avais 50 000 abonnés. Là, j'ai 3 millions en 2 ans, tu vois. Genre, incroyable. C'est ouf. C'est parti, prochain exercice. À la base, j'avais dit qu'on allait faire 20 burpees. C'est déjà pas mal. Ce qui est bien déjà. Sauf que avec Michou on devait faire la vidéo hier. Sauf que Michou s'est pas réveillé. Du coup je suis allé tout seul à l'aéroport. Aïe, aïe, aïe. Et je suis revenu tout seul. Donc Michou, c'est une petite punition mais, gentille. Je suis désolé. Mon réveil il a dû sonner tu vois, mais mon cerveau il était ailleurs. Il dormait bien. Tu devais te réveiller à 6h, tu t'es réveillé vers 11h. 11h ouais, 11h. C'est pas grave Michou, ça arrive à tout le monde de pas se réveiller. Mais ça arrive pas à tout le monde de devoir faire 10 burpees de plus. Chose qu'on va faire, c'est une petite punition gentille. Je suis encore épuisé de l'exercice d'avant là. Donc burpees, tu te jettes au sol. Hop. Comme ça, tu ramènes tes jambes. Oh. Et tu sautes. Ah ouais, ok. Ça c'est un. On va faire les burpees en synchro. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive au sol ensemble et qu'on saute ensemble. Pour montrer un peu, tu vois, l'esprit de groupe, c'est la ça, motivation, l'entrée, le travail d'équipe. Hop. Hop. Un. Super. Allez, deux. Super. 3. Oh, j'ai perdu mes chaussures. C'est quoi cette astuce pour gagner du temps là? Ah ouais, c'est clair. Attends, le coup attends, des chaussures. Yes. 6. Allez. Voilà, c'est là, 7. Oh, c'est le pire exo. Allez, 8. Allez, hop, 9. Faut que tes pecs touchent le sol. Ah ouais, au sol, Michou, ah là. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, Michou. Ah. Allez, 13. Allez, Michou. 14. 14. Je crois en toi, mais t'es le meilleur. 20. On se serait arrêté là si hier tu t'étais réveillé. Mais on va en faire 10 de plus. Ah. Allez, on s'en, c'est parti. Allez, Michou, allez, allez, allez. Allez, 1. Allez, Michou. Au sol, Michou. J'avais jamais fait de burpees. Bah, je regrette pas. Allez. Comme allez, ça. Allez, Michou. Regardez, Michou, la motivation qu'il y met. 5. Si Michou peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Il peut pas le faire, là, Michou. 4. Michou, c'est rien. Et je vais te voir. Allez, en sol. Plus que 3. 1. Dernière. Super. Yeah. Bravo. C'est bien. Oh, c'est le pire exercice. Il va dire ça à chaque exercice qu'on va faire. Ouais, c'est vrai. J'aurais vraiment dû me lever hier là. Comment tu te sens là? Mais je suis mort. La transpiration commence à arriver là. Ou c'est de la bave? Un mix des deux. J'arrivais plus à lever avec mes bras, c'est impossible. C'est un des exos qui utilise presque toutes les fonctions du corps, tu vois. Comment t'as vécu alors le collège et le lycée, sachant que t'étais déjà un petit peu connu alors? Comment on gère ça au lycée? En vrai, j'ai de la chance parce que j'étais dans un lycée dans la campagne et tout, donc je connaissais déjà tout le monde. Okay, j'ai ouais. commencé à me faire connaître petit à petit, donc c'était pas bizarre. Mais les secondes qui sont arrivées au lycée, eux du coup ils me connaissaient pas, tu vois, ouais. ils les connaissaient pas non plus. Et du coup là c'était un peu spécial parce que je faisais quand même des photos dans le lycée. C'est et tu sais, t'as les profs qui passaient dans la cour de récré, j'étais en train de faire une photo avec un abonné, tu vois. Et en plus mes potes, ces bâtards on peut le dire, ouais. ils aimaient bien montrer au prof que je faisais des vidéos. Ils allaient voir le prof, ils lui disaient, hey, vous savez que Miguel il fait des vidéos sur YouTube et tout, et montrer la vidéo au prof, et moi j'étais trop mal à l'aise. Et comment ils réagissaient les profs alors? Deux types de réactions. T'avais la réaction du prof en mode, c'est trop nul ce que tu fais, enfin genre t'avais l'impression que c'était des haters genre ah ouais. mais vraiment... En fait tous les haters c'est des profs genre là je dis vraiment le cas extrême ouais. mais la plupart des profs genre ils étaient bon, tu vois ils étaient contents, ils kiffent ce qu'ils font en ouais. plus c'est en train de prendre forme et tout ouais. ils étaient fiers tu vois. C'est cool. J'ai un but de bout gros. Avec mes chaussures qui tiennent pas là. Ça fait combien de temps qu'on a commencé la séance là? 10 minutes là. 10 minutes. C'est tout? Ça fait pas une heure et demie là? Le prochain exercice ce sera pas du cardio, on change un petit peu. Est-ce que tu connais les tractions? Ouais. Est-ce que t'en as déjà fait? J'en fais pas plus de 3. C'est bien déjà, c'est bien déjà. On va essayer d'en faire 5. On va essayer ouais. On prend son temps, si t'as besoin de récupérer entre les séries, okay. tu récupères. Donc une belle traction Michou, tu l'attrapes ici, tu te laisses pendre, t'as les bras bien tendus. Hop, ouais. le menton au-dessus de la barre. Et tu relâches. C'est pas ça une traction pour moi hein. Tu sautes au-dessus de la barre, tu retombes. Fais-moi 3 belles tractions. J'ai déjà plus de force. Prends ton temps. Voilà, très bien, t'es pendu. Y allez. Jette-toi. Hey, magnifique. Allez, encore une. Super. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Yeah. On la valide, on la valide, on la valide. Ah, c'est pas mal, hein. C'est validé. Très, très bien. Les tractions, c'est un super exo pour travailler le dos et aussi un petit peu les bibis. C'est très, très bien. Ils sont là, les bibis, regarde. Hey, c'est pas mal, ça. La diète McDo, ça marche bien, hein. T'en manques encore 2. Allez, Michou. Allez, passe au-dessus de la barre. Encore une. Génial. Encore, 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 oh, encore. La dernière. Allez, Dragon Ball Z, vas-y. Yeah. Hey.
Elle est validée ou pas? Elle est validée, elle est validée. Bravo monsieur, ça va, c'est très bien. J'avoue, je suis un peu fier là. Franchement, je suis fier de toi. Tout le monde n'arrive pas à les passer, donc bravo. On passe à la suite. Est-ce que t'as une copine actuellement? Non. Est-ce que t'as pas envie des fois d'utiliser ta notoriété pour draguer? Bah en fait, c'est chaud, tu vois, parce que je me dis si j'utilise ma notoriété pour draguer, la meuf en question, elle est pas bien attentionnée, tu vois. Que par intérêt. Elle ne revient pas pour moi. Comment tu vis ta notoriété alors? Dans la rue, dans les bars, puisque t'as l'âge dans les bars, dans les boîtes de nuit, pourquoi pas? McDo. Au McDo. comment tu vis tout ça un petit peu alors? Au McDo, je me fais pas mal reconnaître, tu vois. La cible de Michu, elle est au McDo. C'est toujours cool, à chaque fois je vois les abonnés, on fait une petite photo rapidement et ouais. Tout, tu vois, c'est bien. Après, il y a des fois où c'est un peu étouffant. Ouais. C'est genre parc d'attractions, ouais. Devant les écoles. Ouais. Si je passe devant une école, c'est foutu. Vraiment. Foutu. Les bars, boîtes de nuit, honnêtement, c'est rare que j'y aille. Mais quand j'y vais, je suis toujours tranquille. Okay. Parce que mes abonnés, ils sont plus jeunes, tu vois. Ouais. Ils vont pas dans des bars et tout. Ouais, ce serait l'astuce en fait. Garder les abonnés jeunes, comme ça t'es tranquille pour aller dans les boîtes et tout. Les gens, vous demandez certainement ce qu'on fait à quatre pattes. C'est pas ce que vous croyez, ok? On s'entend bien avec Michou, mais pas jusque là. On va faire quelques petites pompes, Michou. Let's go. Est-ce que t'as déjà fait des pompes? Ouais. C'est un classique les pompes, souvent. Ouais, carrément. Les jambes tendues et on va venir toucher les pecs au sol, puis remonter bras le plus tendu. Pec, faut que ça touche le sol. Exactement, ça, c'est pas des pompes ça. Ah ouais, bah je fais mal mes pompes moi. Ok, on va en faire 20 ensemble. Ok, okay. Allez, c'est parti. Allez, une. Ouah, je vais pas tenir le C'est prends le temps qu'il faut, prends le temps qu'il faut. Allez, on descend, on monte. Allez, 2, allez, 3, super. J'ai un maladroit. Allez, plus que 17. Allez, pousse. On part sur 10. Ouah, j'ai jamais été aussi KO. Hein. Allez, on valide la 4ème. Super. Allez, 4. Allez. Hop, tu pousses. Allez. Ok la team shape, maintenant dites-moi dans les commentaires quel youtubeur vous voulez que j'entraîne. Lâchez-vous dans les commentaires. Question qu'on pose à tous les youtubeurs, comment tu gères ton argent? Non je rigole. Non, comment tu gères les haters alors, puisque on en a tous. T'es plutôt du genre à répondre, plutôt du genre à esquiver, comment tu réagis? La plupart du temps j'ignore, des fois ça m'arrive de répondre, mais ça me fait gaulerie, genre je réponds, je troll le mec, tu vois, je me fous vraiment de sa gueule. Ouais. Même des fois je réponds à des haters et après ils me re-répondent en disant non mais je rigole Michou, je t'aime bien et tout, tu vois. Non mais c'est ouf ça, et ça arrive au taquet souvent tout le temps. En fait, un hater, c'est ça, c'est une personne qui a besoin d'affection. Sinon, en général, je passe au-dessus. Genre, avec le temps, j'ai réussi à me forger un mental. Je pense que comme t'as commencé YouTube jeune, t'as eu le temps un petit peu d'avoir cette carapace. Ouais, c'est ça. Et de plus être touché par les méchants commentaires. C'est-à-dire, récupère, prends ton temps. Je suis KO là. Non, mais j'ai jamais été aussi KO. Genre, je sens vraiment, j'ai plus de force. Allez, 5 dernières. On les fait une par une. Allez, on descend et on pousse. Super, on récupère, mets-toi sur les genoux un peu. Détends-toi, puis on va les faire une par une, c'est pas grave. On prend son temps. Ah ouais, c'est incroyable. Allez, une de plus, on descend. Hop. Ah, super, allez, vas-y, valide là. Ah mais non mais c'est pas vrai. Ok, on va dire 5. Eh, je crois que c'est un échec hein. Mais t'en as fait une bien quand même, donc ouais, c'est un... Bon, on devait en faire 20 à la base. 5 c'est bien 5. C'est très bien 5. C'est très très bien, c'est bien. Au moins cette vidéo là te permettra de savoir un peu où t'en es. Ouais. Mais d'habitude tu vois 20 pompes je peux les faire. Mais avec les trucs d'avant. Voilà, avec les trucs d'avant c'est différent. Ah, donc ouais. C'est normal si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas. On passe à la suite. C'est quoi ton meilleur souvenir lié à YouTube? Vacances au Maroc avec la team Crouton. Team Crouton, c'est une bande de potes qu'on a forgé sur YouTube autour du jeu Fortnite, tu vois. Okay. On avait notre petit collectif avec lequel on se rassemblait tout le temps pour jouer. On est parti en vacances au Maroc cet été et c'était incroyable. Genre vraiment, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Ok Michou, est-ce que tu connais cet exercice? Je connais, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais essayé ni rien. Très bien, donc on va y aller mollo. C'est l'exercice un petit peu cardio aussi. Tu vas travailler un peu tes bibis. Encore. Je sais que tu voulais des gros bras. En position comme ceci, un peu fléchi, et tu vas faire des petites vagues comme ça. Au fur et à mesure, tu vas augmenter l'intensité. Et tu peux faire ça aussi, tu vois, il y a différentes variantes. Je suis sûr que quand il fait, ça a l'air facile. Et quand je vais être à sa place, je vais avoir du mal. C'est spécial. Ah ouais. Il faut envoyer quand même, hein. Allez, on y va. Allez Michou, j'ai besoin de ta force. Allez Thibaut, tu peux le faire. Mais je sais qu'il va le faire aussi, il a pas besoin de moi. Vas-y Thibaut, à fond. Il reste 15 secondes. C'est quoi 15 secondes? C'est rien, 15 secondes c'est facile. C'est comme 15 pompes, c'est facile, c'est rien. Vas-y presque. C'est rien. Allez. Fini. Ah. Oh, tu t'es acharné contre la corde. Ouais, elle m'a fait du mal. Oh, j'aurais pas aimé être à sa place. Ok. Ça fait du bien. Je sais que Michou il va en chier le pauvre. Vu comment il est mort, j'imagine pas moi hein. Après tu vas à ton rythme hein. Tiens je t'en prie. Tac. Oh, ah oui c'est lourd. Ah ouais. Ça avait pas l'air. On part pour 30 secondes. 20. 30. Merde. Très bien. Wow, la corde elle m'emmène. C'est super, voilà. Envoie, garde le rythme. Super. Voilà, ça me dit bien de changer un petit peu. Très très bien, allez lâche pas. Allez super, wow. Souffle bien. Allez c'est très bien, c'est très bien. Super,
suis parce que tu peux aller 5 secondes, puis bientôt fini. Allez, 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 achève-toi. 2, 1, c'est bon. Bravo, bien joué, c'est intense. Bravo. Alors ça va, en vrai les 30 secondes elles sont passées plus vite que ce que je croyais. Mais c'est quand même intense hein. C'est pas mal hein, tu le sens au niveau des biceps. Ouais, ça, ouais, ça congestionne et tout là. Ah mais de ouf hein, mais depuis tout à l'heure hein. C'est super, franchement tu t'es super bien débrouillé sur celui-là. Cool. Tu veux boire un petit coup? Je veux bien ouais. Alors on va boire et on passe à la suite. Et ton pire souvenir lié à YouTube? Les abonnés qui harcèlent. J'étais dans une maison du coup dans la campagne tu vois. Et juste à côté d'une école. Donc les gens de l'école ils me voyaient rentrer chez moi. Ah ouais. Ils savaient où j'habitais. Tous les matins tu vois ça sonnait pour me voir et tout. Enfin c'était horrible. C'est ouf. Genre, ingérable hein. Même le nombre d'appels que mes parents y recevaient et tout. Enfin, ouais. Ouais ça c'est vraiment chiant. Genre faites pas ça. Moi ça m'était arrivé aussi chez moi je me souviens. C'était quand j'habitais chez mes parents à l'époque. Les abonnés savaient où j'habitais. Et c'était un soir. J'avais allumé la lumière. Je me souviens je sortais de la douche à Walp. Et j'entends boum. Damn, petite veine, Thibaut. Je regarde, je voyais les abonnés en bas, avec leur téléphone comme ça, en train de regarder par la fenêtre. J'ai fait what? Je me suis couché d'un coup et j'ai rampé jusqu'à ma chambre. Ah ouais. Bon Michou, je vois que t'as toujours un peu d'énergie. Plus trop sur le haut du corps, mais le bas du corps, tu vois, ça va. Ça tombe bien. On va faire des box jumps. Imagine une simple caisse. Ça paraît rien comme ça. Ouais. On va faire juste des petits sauts. Ok. Entre 20 et 30. Ok. Ça va le faire. Pour l'instant, ça m'a l'air facile. C'est facile, c'est facile. T'inquiète pas. Vas-y, tu nous montres. Voilà, et tu descends. Fais attention juste à pas te taper le tibia là, à sauter ouais. Bien haut, ça ah, arrive. Ça, ça fait mal. C'est bon pour toi, on part sur 30. Vas-y. 1, 1, 2, 3. T'enchaînes bien. Allez. 10. 30, c'est beaucoup. 13, très bien, je suis fier de toi, allez. 15, on a fait la moitié. 21. Une petite pause. Petite pause. Parler un petit peu, tranquille, la vie, tout ça. Ok, on fait une petite pause. YouTube, ça va? Ça va? Ouais, super, et toi? Très bien, ça se passe bien, écoute, on est. Allez, on y retourne. Allez. 5. 4. 3. Allez. 2. Allez. 1. Un dernier. Allez. Yeah. Victoire. Ça y est, le haut du corps c'est fini, le bas aussi. Je peux aller dans mon lit? Bientôt, bientôt, bientôt. L'échauffement c'est terminé là? Ah, non. Non, tu rigoles. Non, c'est pas vrai. Quoi? Non, c'est pas non, vrai. Non, je rigole, c'est très très bien. Franchement, je suis fier de toi. Et je te demande pas des choses faciles. Et tu te débrouilles super bien, donc franchement, très bien. Cool. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris dans la vidéo. Ah ouais? C'est très bien. Michou in shape, bientôt. Allez, on passe à la suite. Michou, est-ce que en dehors de YouTube, t'as d'autres passions toi? Ouais, de ouf. Le sport, bah en fait, sport collectif, tu vois. Ok. Genre foot, basket, j'aime bien. Handball, je kiffe. Vélo et la musique. Je passe mon temps à écouter de la musique. C'est vrai? T'écoutes quoi en ce moment? Surtout rappeurs français. Koba, Nino, Niska, Vald, Gambi. Et les sneakers, je kiffe de ouf. C'est vrai? Ah ouais, les chaussures, j'ai une collection de chaussures chez moi. Je kiffe trop. Hein. Tu les personnalises aussi ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Comment tu te sens là? Là, je suis vraiment à bout. Hein. J'ai un peu la tête qui tourne et tout, ça va plus trop là. Ah ouais? Est-ce que t'as déjeuné ce matin? Vite fait. Les repas, c'est trop important. C'est le carburant. Et en fait, si tu fais du sport mais que tu manges pas, t'auras la tête qui tourne, tu vas pas être bien. Là, c'est un peu mon cas en vrai. Hein. Je te dis honnêtement. Je vais te donner un petit peu à manger alors et on revient après. Okay. À de suite. Mange un petit peu, Michou, mange un petit peu. T'es pas long un peu, t'es blanc là. T'as de l'eau, s'il te plaît. Ouais, 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 je vais chercher de l'eau. Tu m'avais dit que t'es bonne shape, tu vois, ça allait être corsé l'entraînement et tout. Je me suis dit, bon, ça va aller, il sait que voilà quoi. À vous là, t'attends que je vomisse. Ah, là, t'as une bonne miniature. Je t'avoue que si tu vomis, ça m'arrange pour le titre et la miniature. Est-ce que t'aurais des conseils à donner aux petits youtubeurs qui vont voir la vidéo ou alors aux futurs youtubeurs? Faites-vous confiance, faites-vous kiffer, genre faites ce que vous aimez. Pour percer, titre, miniature, trop important. Ça, c'est. Non, mais en vrai, c'est trop important. C'est trop ça. N'oubliez pas que vous êtes sur YouTube par la passion, tu vois. Ouais. T'es sur YouTube parce que tu kiffes et c'est ça le plus important. Exactement, je suis entièrement d'accord. Tu peux pas te dire, je me lance sur YouTube pour faire des thunes. Ouais. Parce que tu vas abandonner, parce que tu vas devoir, tu vas galérer un an et ça marchera pas. Je pense qu'il faut d'abord avoir la passion pour un domaine que t'as envie de partager, puis ensuite t'entretiens ce délire là. Et après, il faut suivre les codes de YouTube, comme tu me l'as dit. Ouais, comme tu l'as dit. Titre, miniature, parler fort et être à l'aise aussi. Bah après, ça se fait avec le temps, tu vois. Au début, peut-être ta première vidéo, tu seras pas à l'aise. Tu regardes les vidéos de tous les YouTubeurs, leurs premières vidéos, ils sont pas trop à l'aise en général. Pas du tout, c'est trop drôle à regarder d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. T'as repris les forces, c'est bon? Ouais, ouais, là c'est bon, je suis en forme. C'est bon, t'as meilleure mine. Voilà, là je me sens chaud pour le dernier exo. Tout à l'heure, c'est compliqué. Hein. On va faire du kettlebell swing. Kettlebell de 16 kg, kettlebell de 24 kg. Tu te mets comme ça, tu l'attrapes, le dos droit. Hop! Ah ouais. Et tu relâches. Ah ouais. C'est surtout tes hanches qui vont envoyer la kettlebell en l'air. Okay. C'est pas trop les épaules, surtout les hanches. Vas-y, mollo. Voilà. Wow. Vas-y, mollo, c'est-à-dire tu fais ça et tu t'arrêtes devant. Voilà, un mouvement de balancier. Wow. Voilà, bien stable. Ah ouais. Incroyable. Tes pieds sont fixés au sol. Allez. Un dernier. Zéro, super. Oh, il est incroyable cet exercice. Il est cool, hein. Michou, qu'est-ce que t'as pensé de la séance de sport alors?
crevé, c'était crevant, mais honnêtement j'ai bien kiffé, tu vois, ça fait du bien, ça remet en forme et tout. Franchement ça m'a vraiment donné envie de me réinscrire à la salle là. Hein. C'est cool. Attention, hein, ils vont suivre, hein, y a des témoins. Ouais, c'est vrai qu'il y a des témoins, mais t'inquiète justement. Ils vont t'harceler, ils vont dire alors Michou, la salle de muscu, ça en est où? T'inquiète, tu verras, mais je vais faire des stories Insta, je serai à la salle et ça sera pas que pour des stories. Michou, bravo. Et ben c'était un plaisir. T'as réussi à aller jusqu'au bout. Je suis content. Je suis fier de toi. Les gens, ils s'est vraiment très très bien débrouillé, franchement. Je pensais que t'allais beaucoup plus galérer que ça. Ouais. Et tu m'as surpris à l'assaut bike. Les burpees, t'as enchaîné. Ouais. Les pompes, on fait comme si ça n'existait pas. On travaillera ça les prochaines fois. Et le reste, les box jump et tout, le rameur. Super bien, franchement, bravo. Et tu m'as vraiment mis à bout, hein. Et les jeunes qui vont voir la vidéo et qui vont voir Michou s'y mettre vont se dire eux aussi pourquoi pas je m'y mettrai. Mais en vrai, même moi, hein, ça fait super longtemps que j'ai envie de me remettre au sport. Mais je sais pas ce que j'attends. Je sais pas, j'ai un prétexte dans ma tête, j'attends un truc pour me mettre au sport. Un miracle. Et ben voilà, je suis le Jésus de la muscu. Il faut que toi tu fixes un objectif, tu vois. Soit ce soit une perte de poids ou genre une prise de muscle, tu vois. Je pense que c'est important pour les gens qui veulent commencer le sport d'avoir un objectif. Si tu te mets au sport pour te mettre au sport sans trop savoir où tu vas, c'est plus compliqué à tenir. C'est bon, tu m'as motivé là, ça y est. Il va rentrer à Paris, Uber Eats. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui disent qu'ils veulent se remettre en forme et être prêt pour l'été, c'est pas deux semaines avant. C'est maintenant, là en janvier que ça se passe. Donc bon courage. Ok les gens, maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Abonnez-vous à la chaîne des Michou en cliquant juste ici. Allez. Il mérite, il a bien donné aujourd'hui. Et regardez ma précédente vidéo en cliquant là-bas. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum.